Et bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau stream de World of Tank. Et je suis avec Swak. Yo! Et on est parti sur du T5. Allez go! Bon, c'est pas dit que le stream soit forcément très très long. On verra comment ça se passe. C'est parce que il m'a fait pas bizarrement comme ça, mais fais pas peur. Disons qu'il commence à. Vas-y, fais la débile comme ça devant la caméra, ça va être pas mal. Non, c'est qu'il commence à être tard, il est 23h20, on commence à être un petit peu fatigué ce soir. Mais bon, on est au moins parti pour une bonne heure. Tu veux un chenille trac? Tu sais qu'à des moments tu me fais peur, toi? Je pense que si j'écoutais ma propre voix, j'aurais peur aussi. Oui. Avec ce regard pervers que tu as vu. J'ai pas eu un regard pervers. Tu n'as pas vu ton regard. Oui, mais je sais à peu près quelle mimique que je fais. Oui, et ça fait peur. Aussi, j'ai été un bébé un jour et j'ai eu toute ma phase d'apprentissage de mimique, de haussement de sourcils pour communiquer avec l'être humain. Et au lieu de dire des bêtises, profites-en pour remarquer que tu es T5, tu es un KV1, donc on va avoir besoin de toi. Ouais, donc j'utilise mon canon. Pas sur moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des viewers qui commencent à venir, ils te connaissent pas forcément, ils savent pas que t'as un minimum de skill, et ils pourraient croire, ouais, c'est n'importe quoi ce stream, je me barre. Et puis? Bah non, ils sont plus Je là t'aurais après. tiré dans le cul. T'as vu qu'on est tout seul? On est un petit peu seul? Alors que le Ouais. point de cap, il est là-bas. Je propose, on s'arrête et on attend de voir ce qui se passe. Non, mais moi je suis un moyen. Donc moi je bouge. J'aimerais bien te rejoindre, mais je suis tellement lente. Je viens de l'intérieur, j'ai peur. Putain, je suis dans la merde. Ah bah moi je suis un léger, je bouge, j'avance. Oh, ils ont foncé vers le point de cap, lui. Ah, faut qu'il me protège. Attends, je vais me mettre derrière toi pour me protéger, excuse-moi. Ok. Ah, ils vont pleurer sur toi, non? Ninja kill, Shadow. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lourd en face, bon, ça fait que voilà quoi. On va très vite finir. Bon ben, ce fut bref et pas intense. Je déteste ces trains là qui me cachent la vision à chaque fois. Ça fait pour, hein. Ça fait pour. Oui, je me doute, merci. Mais j'aime pas cet endroit de la map. J'aime pas y aller. Moi je cap, hein, attends, je me fais des points. J'hésitais à aller rester cap, on aurait gagné par cap si j'étais resté. Ouais, possible. Bon, dans tous les cas, c'est une win. Ah, ça fait toujours plaisir, c'est Ouais, toujours mais bon à j'aurais fait prendre. plus de points. Ouah, wow, ça se voit que c'est un premium quand même, ton char.
Bon, au final, j'ai fait 15 700 crédits en bénéfice. J'ai gagné 16 900 et 15 700. Mais c'est pour ça, vu que c'était le seul premium que j'estimais potable dans ceux que j'avais gagnés, j'ai décidé d'investir un peu dessus. Tu vois, j'ai mis une ventilation, un fluor à canon, puis les mecs, ils XP maintenant. Donc, avec le temps, enfin, il a gagné en performance comme ça. Moi, j'aimerais bien avoir des bons, enfin des, là, au moins un char de chaque faction. Parce qu'il y a des events où faut farmer, par exemple, bah, il y en avait un, fallait farmer la faction allemande et t'avais plein de trucs d'XP. Ouais, non, mais il faut essayer d'avoir au moins un T5 dans chaque faction. Et même encore, je trouve pas ça suffisant, quoi. Mais j'aimerais bien au moins en avoir. S'il y a vraiment un event hyper intéressant, pouvoir le faire. Regarde, il y a un délicieux T29 en face. Oui, ça j'aime pas. Bon, on a un T7 de plus que... Je n'aimerais le T29 qu'à partir du moment où je l'aurai. Eh oui. Ah, c'est sûr que quand on l'a pas... Pour ça que je suis en train de rouler tout de suite avec le M6. Parce qu'après le M6, T29. Oui. Il a du mal à tourner. Moi, c'est bon. Oui! J'ai du Ferrari devant moi. Je me sens triste quand le T20, quand je vois le T29 s'est déplacé un tout petit peu plus vite que moi. Sur le front, mais on n'est pas top tier. Attention, attention. Il n'y a que trois chars plus haut tiers que nous, dont une artie. En gros, il y aura deux ch potentiellement deux chars sur le front, quoi. Il y en a un, c'est un TD. Le T29 qui fait peur, quoi. D'accord, il y a deux TD qui veulent nous prendre dehors. Un peu plus sur le côté là. Il y a notre L4 qui les bloque. Bah, t'étais le seul visible. Wow. Ok. Bon bah. Je me sers rien de ta dépouille. Fais gaffe, ça fait mal hein, quand tu te montres là. Ils sont pas très amicaux. Ouh, ça bounce. Tu peux me tirer dessus là? Je me sens pas très à l'aise. Hein. Elle est encore en toi. Ça me ferait chier que ce soit une win sur une game aussi mauvaise pour moi. Mais... Cible détruite.
Pourquoi t'as fait la voix d'une poule là? C'est marrant. Bon? J'ai pas vu qu'il y avait des cailloux. Du coup, je suis resté câblo en mode ah, c'est rigolo! Et j'ai rien fait. Je crois que j'ai capé, je vais laisser les autres s'amuser. Je suis déçu, j'avais besoin de faire une bonne game avec mon M6 pour me rapprocher un peu plus du T29. Je suis poulet si je veux. Et elle fait le chat. Oui. Oh, il s'en va, Noé, il me laisse caper toute seule. Ah, oui. Oh, je t'égrappe la patte. Oh, bouffe-moi. Qu'est-ce que je fais? Il y a pas mal de chats en vie, j'ai ma chance quand même. Et Sage, on arrête. Allez. Sage. Tu ouais, me pas, toi, ouais, je devrais pas. Tant pis, moi, j'aurais du cap même. Elle est sortie maintenant. Il y a plein de chars qui me tentent en fait, mais j'ai plus assez de place dans mon garage. Bah tu vends les petits. C'est 150 là et... Tu l'as eu ou j'ai pas fini? Non, ils ont été trop rapides. Je voulais viser un minimum avant de tirer pour pas taper dans le sol quoi. Ouais, mais bon, c'est une win. On va pas pleurer. Je crois que j'ai mis que deux obus. Mais j'en ai mis qu'un. Catastrophique oui, comme ligne. Par contre, on a des fois 3, c'est pas mal. C'est pas mal du tout quand des même. Des rations de combat supplémentaires. C'est quoi? Je crois que c'est un truc qui booste ton équipage temporairement, un truc dans le genre. Oui, c'est ça. Du 10% aux aptitudes et calibres de tout l'équipage. Je prends l'IS. Et après IS3, comme ça, ce sera fait. Et vu qu'on est parti sur une série de victoires, bah on y croit. On peut pas vendre des compos? Je crois pas les compos, non. D'accord. C'est dommage. Après les obus, canons, chenilles, tous les trucs que t'achètes en détail, oui, mais... Les compos, non. Bon, tu stocks, écoute. Tu utiliseras quand t'auras envie d'y utiliser. Ouais, mais sans de jamais, en fait. C'est vrai que quand je gagne ce genre de compo, j'ai jamais utilisé en fait. Non, ça va, c'est 3 orties. Je vois des gens qui se plaignaient du nombre d'orties, mais en fait non, il y en a 3. C'est déjà pas mal à le tir. Ah, tout le monde part à droite? Non, c'est bon, il y a deux chars, deux gros chars qui vont à gauche. Je suis un tank. Bravo, moi aussi. Je veux être un tank. Wow. Je veux pas être un humain, je veux un tank. C'est bien quand t'es un tank. Tu roules sur les gens quand ils t'embêtent.
T'imagines dans la rue, y a un mec qui t'emmerde, qui avance pas ou autre, tu roules dessus, tu vois. Mais si t'es un tank, tout le monde sera des tanks. Bah pourquoi? Non, moi je veux être un tank, je veux pas que d'autres soient des tanks. Puis si je me fais attaquer par un tigre de Sibérie, il pourra pas me faire mal vu que je serai un tank. Et s'il dégoupille une grenade et qu'il te la met dans les coutilles, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Bah l'écoutille elle sera fermée donc il pourra pas. Et s'il arrive à l'ouvrir avec sa force surhumaine de... C'était quoi? Tigre de Sibérie. Tigre de Sibérie. Non parce que je lui aurais mis un obus avant et puis il aura implosé. Ouais mais t'auras raté et t'auras en vrai 3 minutes de recharge. Mais non, je rechargerai plus vite. J'aurai du skill. Tu seras comme dans World of Tank. Tu veux pas avancer pour me servir de bouclier humain s'il te plaît? Bah oui bien sûr, j'ai que ça à faire. Pas sympa, hein. Vraiment pas très sympa. Il y a quand même du T8 en fait. J'ai essayé de tirer une fois, ça a pas eu beaucoup d'effet. C'est bien blindé tout ça, monsieur. Oh! Tu l'as percé? Oui. C'était un TD de face. Je le regarde, regarde, je fais. C'est blindé. Ouais, bah, tirons. T'as eu de la chance. T'as tiré où? Dans un espèce de petit symbole, enfin, tu sais, genre les petits espaces là. Ah bah oui, ça, là, c'est là. Sûr. Oui, bah, c'est par là qu'ils regardent les mecs. Hein. Bah je me suis dit que ça allait pas percer quand même. Enfin, j'ai visé quoi. Mais... Ouah, moi aussi je l'ai eu. Oh là 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 là, un petit 400 que je viens de lui mettre dans les dents. Parce que ça, c'est le type de TD qui en fait, de base, en face, c'est très très compliqué à percer. Hein. Et moi aussi j'en ai eu un de face comme ça. Ah, Big Prince. Vous êtes mignon, mais je vais me coller à la paroi. J'en ai marre de me prendre des obus. Vous attends. Il veut pas reculer? Putain, il me pousse l'autre là. Je suis en train de couvrir un endroit et le mec il s'avance comme un malade, ce qui fait que l'endroit où je me suis mis sert absolument à rien. Ouh, mais attends, il y a un Hummel qui arrive là, qu'est-ce qu'il vient faire là, l'arty? Aïe. Je vais essayer de les contourner. Patience, c'est pas du tout la qualité première des joueurs de World of Tanks. Voilà, une petite partie terminée. Hop. Je suis en train de leur arriver dans les fesses, donc ils vont être en mode panique, ils vont foncer. Non, par contre, sérieux, vous poussez comme ça. J'hésite à tirer sur mes alliés. Oh les mecs! Quand ils veulent s'avancer en 1v3, ils le font. Par contre, quand il n'y a qu'une seule personne, là ils savent attendre quoi. Bon, c'est encore une win, ça va. J'ai mis un obus. Et à la fin, je me suis fait défoncer parce qu'il restait qu'un char. Je me dis, c'est le moment. Tous les trous du cul à côté de moi, ils sont en train de s'impatienter quand ils étaient trois. Ils vont me suivre. Et non, non seulement ils m'ont suivi, mais ils m'ont empêché de reculer. Tous les trous du cul. Moi, je dis tous les gus, c'est plus poli. Je suis pas poli pour des cons comme ça. Ah, mais en plus, ils t'ont eu. Bah oui,
J'ai pas pu reculer. Mais t'as mouru! Je me suis retrouvé en 1v1 pendant que tout le monde me regardait. On était genre 4. Je suis d'accord que c'est pas moi qui aurais dû m'avancer pour tanker le char, mais personne ne le faisait. Ah ouais, moi j'ai vraiment fait une très très bonne game. Tant mieux. Ouais, mais avec l'IA, ça, je m'en fous un peu maintenant. Attends. Ah non, c'est le KV1 que t'as pris d'équipage. Oh, mon IS3, l'équipage est tellement pourri, moi. C'était à Noël qu'il y avait eu l'event où tu pouvais gratter plein d'XP, c'est ça? Je sais plus ce dont je me souviens globalement, c'était que l'année 2015 a été excellente au niveau des events. Entre gagner des chars, gagner de l'or, gagner de l'XP. Mais là, je trouve que depuis le début de l'année 2016, c'est pas top top. Hein. J'ai du mal à me souvenir quand est-ce que j'ai gagné des golds avec une mission. Regarde, il y a des grilles 15, c'est rigolo. Mais on va pleurer du tennis surtout en face. Bon, moi j'ai mon meilleur canon, mais pas toi. Oui, je sais que t'as ton meilleur canon, merci. Là, de toute manière, nous sommes présents que pour faire du support. Hein. Est-ce que je risque de mourir si je me mets en dessous de la colline? Genre en dessous, tu sais, je monte pas dessus. Juste. Genre, je les empêche juste de monter et je les scoute s'ils essayent de descendre. Pas top. Moi, je vais plutôt me mettre, tu vois, en D6. C'est-à-dire que je peux sniper les mecs qui sont sur la colline et je défendrai en plus le pont. Je peux pas suivre le sang? Je fais n'importe je quoi, on dirait. Je sais pas. Après, c'est un T10, hein. Il me semble qu'il est bien tanké en plus le sang. C'est le fameux char dont les viewers nous parlaient et qui, par contre, nécessite du gold pour percer. Parce que visiblement, il a pas assez de pénétration. Mais viens là où je suis, hein. Tu seras plus ou moins safe, tu pourras tirer sur les mecs sur la colline et tu protèges le pont. Je trouve que c'est une technique de planquer. J'aime pas trop ça. Moi, de toute manière, j'ai pas envie d'aller sur le front. Hein. Les T9, T10, merci. Hein, mais ouais, je vais pleurer donc. Je sais qu'on a des buissons devant nous, mais là on n'est pas scout. Je pense pas, en fait, personne n'est passé assez près. Et qui les scouts? Ceux qui sont sur la colline. C'est sur eux qui sont en train de tirer d'ailleurs. Ah, alors là de flanc en plus, c'est parfait. Tu parles de qui? L'IS-7, ah, T10. Bah j'ai pas percé, hein. Je l'ai eu bien de flanc et j'ai percé que dalle. Hein. Donc, pas de regret.
Ok. J'ai vu le mec arriver sur le point de cap, il s'est fait crever. Non, je n'irai pas. Ah ouais, bah ouais. Il y a un Tedis lourd qui va sur le point de cap. Je pense qu'il veut faire des caps. Merci de casser en partie le truc derrière lequel je me planquais. Ah, c'est pour me cacher derrière que je l'ai cassé justement. Oh, reviens ici. Ou un IS, ça c'est cadeau. Ah non, IS-7, pardon. Ouais, mais il s'est planqué pour moi, je sais plus. Non, c'est un T10, je crois que c'était un T7, il n'y a pas de T7. Non, mais déjà, rester en vie, ça gagne. Ça permet d'économiser des sous. Allez, random. Random truc qui veut même pas dans mon viseur, quoi. Putain. Comment j'ai fait pour rebondir là-dessus? J'ai perdu la moitié de ma vie. De toute façon, mon obus part tellement haut comparé à ce que je vise. En plus, l'IS-7 me tire. Attends, dessus. Je me fais allumer, moi je me barre. Il y a des mecs en face en fait qui. Ah, c'est les mecs sur la voie ferrée. Il ouais. Y a des mecs sur la voie ferrée en fait qui sont planqués et qui nous allument. Ok, parce que moi c'était de la colline que je prenais les obus, je pensais pas que c'était la voie ferrée. Je comprenais pas pourquoi tu reculais. Ouais. Bon ben, j'ai rien percé, on risque de gagner, j'ai perdu mon char. Grosse game. J'ai rien percé non plus. Je crois que je vais attendre sagement que la partie se finisse pour pas trop payer. On était avec le canon de base, donc ne pas percer, c'est plus ou moins logique, tu vois. Même si même avec le meilleur canon, tu perces pas. Enfin... Montre-moi autre chose que ça, je pense pas que ça perce. Et vu que j'ai de l'argent à perdre, hop. Voilà, je suis heureuse. J'ai mis un obus, voilà, j'ai mis un obus dans le blindage. Parce que si tu veux, j'ai tiré au moins 2 ou 3 obus et ils sont passés, mais complètement au-dessus. C'était. What, quoi. Ah, et tu ne passeras pas inaperçu, The Gamer. On ne t'avait pas vu, mais merci pour le follow. Merci pour ton follow. On était concentré sur la game. Mais oui, The Gamer du 89 vient de nous follow. Merci, merci. Mmh. Ils sont en train de caper. J'avais pas vu. Moi aussi, je veux des points de cap. Mais non, reste! Allez! Je crois qu'ils veulent les achever. Mais moi, ça me donnait aucun point quoi. Vas-y, moi je vais essayer de caper, caper un hein. Petit peu, prendre quelques points. Tu mets le bout du nez sur le point de cap et t'attends. J'ai peur de me faire tuer en fait. Yes, ça t'es toujours en vie. Yes, oui, furtif. Il y a fait un TD méchant en fait ça. Ouais, mais je pense qu'il me voit pas. Parce que sinon je me ferai aligner par l'IS. Ah, c'est le what the fuck qui m'a tué tout à l'heure. Ah bah... Ah non, j'ai toujours pas vu.
c'est pas moi qui aligne. Oh, Julia 7, pas besoin d'essayer, hein. Le what the fuck tu perds, hein, par contre, ça c'est du... C'est en mousse. J'ai eu tiré dessus. Je vais tirer dessus, mais j'ai pas dû toucher. Bon, allez, je me mets sur le point de cap maintenant. Namia, elle est en mode KO là tout de suite, elle est. Allez, donne-moi un chenitra, quelque chose, je sais pas. Ça, c'était une game, mais alors passionnante. Hein. Oh, je me suis éclaté. Vous voyez, là, c'est à peu près la partie la plus marrante là, de la partie, je crois. C'est moi qu'on a éclaté. Oh là là. Non mais bouge la caméra, fais un truc, ils vont s'endormir les viewers là. Non là ils vont avoir mal de mer. Ou ils vont être malades en tout cas. Eh ben au moins toutes les parties qu'on a fait c'était des wins. Ah, on est top, on est au top en commençant par la fin. Pourquoi t'as plus de points que moi? J'ai scouté un mec je pense. Tu payes combien de rebats? 12 754. C'est bon, je suis rassuré. Je paye 4000. Bah mais t'es pas morte. Ouais mais j'ai la moitié de moi. Tu sais que quand t'as un truc qui se fait endommager de manière critique, tu paieras plus de rebats en plus. Donc quand tu meurs, en fait, tous tes éléments passent en critique. C'est pour ça qu'il faut éviter de mourir. Tu prends de quoi? Que veux-tu prendre? Est-ce que tu veux dans du T5 ou du T6? J'ai moins L4. Je prends mon BDR. Ok. KV1, char de l'ombre. J'ai même pas mon équipage qui est full XP encore. Vu qu'il y a les x3, faudrait se motiver à faire nos T3 ou T4 si c'est le moment. Peut-être pas ce soir. Hein? Peut-être pas ce soir. Ah oui, ben, disons que t'as le x3 une fois par jour. Hein. Mais c'est vrai que ça aide bien à passer ces tirs qui sont assez chiants. Moi j'aimerais bien avoir un x7. Un x7, rien que ça, bah. x5, oui. J'ai dit. Ah, x5. J'ai jamais vu de x7. Ça arrive des x5. Pas souvent, mais ça arrive.
jusqu'au bout. J'aime bien ici, mais j'aime bien attendre que, oh, que mais les TD soient scout en face, en fait. On est en attaque. Le T14, il scout que dalle. J'ai peur de tomber sur les TD, en fait. Bah, là, y'a rien de scout, hein, donc... Ah, un petit T4 qui va pleurer. Ils sont tous partis de l'autre côté. Je sens qu'on va enchaîner les wins ce soir. Enfin, en tout cas, pour le moment, on enchaîne les wins. C'est pas encore gagné, on a plus de morts que de kills. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, on va les encercler aussi. Donc... C'est mauvais pour eux. T'avances pas trop, le cherche pas. Putain, après le venir merde te des chercher, Russes. S'il te plaît. Je me fais tirer dessus. Oh pardon. Je me suis fait allumer, putain. Recule derrière la maison. Je suis quasiment mort. Il y a un acharné. De... Et le rue qui nous attend surtout. Je vais souffrir le L4 mais il m'a achevé avant. Ah, ton problème toi c'est le OI hein. Il cache deux autres chars, tu les qui sont quasi morts. Juste un obus ils sont morts. Mais le OI l'anglais hein. J'ai pris un tir d'artillerie. Là il s'est bien. Tu l'as percé, putain, alors là, GG hein. Je visais la roche. Là t'as percé un oi anglais et qui a un tir en plus au-dessus de toi, je viens. Il vient de t'apprendre la vie, hein. Il vient de te faire comprendre que c'était lui qui avait un tir au-dessus. Hein. Et que c'était un oui, il fallait pas l'oublier. J'ai une ortie qui me vise toujours. C'est pas que lui qui m'a tapé. Quoique aussi, il me semble que l'ortie a raté. Derrière la baraque, t'as rien à craindre, l'ortie. Elle m'a raté, mais il m'a quand même aligné. Qu'est-ce que fait Matilda? Il prend un bain? Ah non, d'accord, il est là. Je crois que le OI il a un gros canon, donc il recharge lentement. C'est-à-dire que si une Matilda se fait tirer dessus, il faut foncer? Ouais. C'est une option.
Il faut pas rater ton coup, parce que toi aussi t'es un peu longtemps rechargé. Et le L4 il est pas encore. Si, peut-être. C'est un cadavre de L4 ça. Il reste qu'un lourd qui a pas été scout. Enfin, je crois qu'il n'a pas été scout. C'est un oui. On va te planquer derrière les baraques. Ouh, il a mal tiré. Ouais, bah t'as eu chaud là. J'ai pas l'impression qu'il avait l'explo parce qu'il m'a tiré dessus. Quoique, il a un tir de moins que moi, tu me diras. Merci, merci Milo. Ouais, Milo pour ton follow. Hey. Moi d'abord. On l'a vu ensemble. Oh, t'as fait une bonne game là avec ton BDR. Tu vois que c'est un bon genre ce BDR. Pourquoi tu passes pas n'importe quoi là. Le oi, c'était miraculeux. Hein. Oui, c'était effectivement improbable. J'ai envie de prendre mon TD, mais j'ai honte de jouer avec. Attends, il faut que je fasse mon x3 sur mon L4. C'est chiant avec les stocks x3 alors. Bah, j'ai plein de chars moi, c'est pas de ma faute. Hein. Et quoi, t'as qu'à jouer, avoir plus de chars, acheter des chars ou demande aux viewers de faire des dons pour que t'aies plus de chars, hein, tu non. Sais quoi. J'achèterai jamais de chars sur World of Tanks. On en a déjà discuté. Tiens, je te fais un don de 2€. Cette pièce elle est à toi ou elle est à moi? Parce que si elle est à moi et que tu me fais un don de 2€. En général, c'est moi qui ai de la monnaie qui traîne, c'est pas toi. Je dis en général. Il la prend, il fait. Ça, il le montre pas, ça, hein, mais. Tu veux en ville? Ouais. Mais moi je suis un L4 donc je me suis pas. Y a que le Oi qui vient en ville, sinon c'est un peu. Je vérifie qu'il me suit bien, mais sinon j'ai presque envie de faire demi-tour. Ah si, il y a le M6 et le T150. Bon. Allons-y. Oui. Oh my god, oh my god. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh, c'est des trucs tout petits, tout plats, trop galère à tirer dessus. Ceux qui s'amusent à venir te coller et du coup tu peux plus leur tirer dessus parce que t'as le canon trop haut. Je les déteste. Ah! Je me suis pris un obus et en plus je suis en feu déjà? Non mais sérieux! Est-ce que t'es heureux? Tu pourrais au moins servir à scout, je veux dire. C'est vraiment inutile. Hein. Oui! Encore en feu, mais deux obus, deux fois le feu. J'ai jamais vu ça, je suis maudit, c'est pas possible. J'ai pris le feu à deux reprises dessus. Ici, toi, petit coquille. Bah, moi, je vais me mettre dans le lit en mode PLS. Hein. Tu me rappelles quand c'est fini. Je vais aller pleurer. Coucher. Reste ici. Non, reste ici, il y en a mieux à santé. Vas-y, petit œil. I follow you. Pauvre chat. Quand ça une de nos chenilles est touchée, je t'ai regardé faire le con avec le chat et quand je re-regarde, ma chenille est touchée. D'accord, on s'est fait nier par les orties. Moi je m'en vais. T'arraches quitte, mais on s'en fiche, t'as fini. Salut! Nice to meet you!
faut. C'est un joli canon. Hello gamers. On arrête de jouer avec les cadavres, monsieur. De mon rage kit. Oh, GG. Salut gamers. Au secours, Yamete! Yamete! Pourquoi lorsque je suis avec mes chars avec lesquels je veux vraiment XP, je fais une partie de merde et c'est fini. T'aurais dû voir ce que je fais, c'était rigolo. Oh, je verrai, c'est enregistré, je m'en fais pas. Oui, mais on s'amuse pas à regarder. Moi j'étais en PLS avec Namia sur l'île. YOLO! Boum! J'ai mon quatrième kill. Ouais, je crois qu'il vient de faire une game de folie là. Alors, la chance, elle était à la game précédente. Là, j'ai pas trouvé que c'était. Bah, il y a une game par exemple, c'était en T7. Avec ton IS, tu t'es fait poutrer alors que moi j'ai fait une partie de feu de dieu. Et c'est pas de la chance qu'elle a eu. C'est du skill. Là t'as pas vu ce que j'ai fait. Mais pour le coup, il y a le truc où... À ce moment-là ? Où je me suis planqué... Ah bah c'est passé 3 HP. Je me suis barré avec 9 PV. Ah oui, au niveau oui. Mais ça n'empêche pas les dégâts que j'ai fait quoi. T'as peut-être de la chance, mais c'est pas une chance de cocu, je te promets. Toi t'es parti avec Namia là, sur le lit, je sais pas si vous avez, mais... Je me suis allongé avec Namia dans le lit. Je me suis dit c'est bon, le jeu ne veut pas de moi. C'est juste 3 fois plus que tu as indiqué. Donc voilà, hein, la chance. Ah. Tout est en skill. Merci gamers pour ton follow. Merci pour ton follow.
Mais ça, c'est parce que t'as eu de la chance, visiblement. Je m'en fiche, j'ai fait une jolie partie et je suis contente. J'ai pas envie qu'on me gâche ma joie en me disant que j'ai eu de la chance. Bon, si je peux éviter de me prendre deux obus qui me mettront deux fois le feu de suite, ça me va. Non, parce que je suis peut-être parti pleurer, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc, y'a personne? Oui, si, y'a un mort. Je veux dire, de leur... Ah, ok, oui. Permettez, je passe là-bas. Putain, le KV2 il a où est ce que les 85 dans lequel j'ai tiré, donc j'ai tiré dans une carcasse vide. Punaise. Tiens, mais je perds ce... Y'a mais... personne qui regarde vers moi pour l'instant, à part un T150. Le jeu il est passé en mode troll avec moi ce soir, je comprends pas. Alors, est-ce que ça fait longtemps qu'on joue au jeu? Ben, ça dépend. Moi je suis à 3000 games, Soa qui est à 1500 games. Elle joue depuis mai 2015 et moi depuis septembre 2014. Oh, ça, j'arrive pas à le percer avec un tir de moi là. Pas trop le temps parce que lui il arrive pas à me percer avec un tir de plus. Oh là, les KV2 il est en train de percer game, il les perce les mecs, il leur fait mal. Ok, bon, je me prends un obus qui vient de nulle part évidemment. Il doit être blasé parce qu'il m'a enchaîné, il a fait que de me tirer des obus, moi j'en ai mis deux qu'on percé et il en a mis zéro quoi. Avec un tir de plus. Je serais un petit peu triste si j'étais lui. Coucou toi. Et je serai bientôt à 1600 games. Ah non, je suis plus XVM, je le vois pas. Ah, GG. Ouais, justement, il y a un mec qui a tiré avant, donc il a eu plus de dégâts que moi. J'ai fait un petit 46 et j'ai eu le kill. Non, par contre, désolé gamers, on prend pas les viewers avec nous parce que tout le monde nous demande en fait, et c'est pas faisable donc. On applique la politique du on ne joue pas avec les viewers. Et on stream régulièrement en fait. C'est souvent l'après-midi ou en fin de journée, ou en fin de soirée. Parce qu'au matin on dort, on est feignant donc. C'est quoi le matin? C'est quand il y a du soleil. Est-ce que c'est quand il arrive? C'est quand ça brûle. C'est quand et que tu peux fermer les volets pour que ça t'emmerde. Quand je vais me coucher, des fois il y a le soleil qui se lève. J'ai envie de caper parce que je suis trop lente pour aller les chercher. Arrête de me mettre devant. Bah, après, faut savoir, hein, tous nos lives on les met sur notre chaîne YouTube. Hein, donc tu peux retrouver absolument tous nos lives sur la chaîne YouTube. Et le lien de la chaîne YouTube c'est juste en dessous du live. Et t'as également le Twitter sur lequel on indique tous nos streams un peu en avance si possible. C'est vrai qu'aujourd'hui en fait à chaque fois qu'on a commencé à streamer on l'a mis sur le Twitter. Donc on l'a pas vraiment dit à l'avance.
mais tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin en dessous du live. Bonne idée. On sait jamais que le lot... Arrête, tu vas m'empêcher de cap. Imagine, tu me fais des dégâts. Et bah là, on est beau. Il est derrière, derrière la couille. Ah non, c'est derrière, t'as aucune chance. Arrête. Purée. Oh, tu l'as eu. Non. Non. Ah, désolé. Pourquoi il est arrivé? Mais... Tu m'as tiré dessus? Oui. J'ai perdu mes points de cap. Oh la vicieuse. Oh non, j'y crois pas. C'est marrant en plus. Non, mais... C'est marrant. T'as fait une bonne game, moi j'ai rien fait, j'ai fait que dalle. 46 dégâts, c'est tout. J'étais en PLS à la game précédente, là je me suis fait encore troller, et puis toi qui me fais ça. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. C'était marrant. T'as tes points de cap ou pas? Non. Non, je pensais que c'était bon. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Moi je prends mon petit KV2. Si jamais il y a un tir par erreur parce que je vise mal, c'est possible. Ou alors je vais prendre mon IS-3 pour survivre. C'est du même tir. Bon d'accord, je prends mon KV-85. J'ai peur qu'il... C'est de embêter. Non, je fais gaffe où je tire parce que ça coûte cher les obus. Et je trouve que tu mérites pas que j'investisse cet argent pour toi. Je trouve que c'était pas mal rentable. Ça faisait un peu comme si j'avais capé toute seule. T'es pas rentable. Mais aïe, mais ça fait mal! Pourquoi tu me jettes des paquets de mouchons dans la figure? C'était pas ça que je visais. Mais arrête! Je me fais agresser! Tiens. Ah oui, c'est agréable, merci. Je vais bientôt m'envoler, je crois. Et tu me l'abîmes pas, hein! J'en ai jamais vu des aussi bien que ça. Quoi, mais si, ça, ça t'as tout du truc dans toutes les conventions, ce truc-là. J'en ai jamais vu en convention. Ah, peut-être parce que les conventions à Nantes, ça se déroule plutôt l'hiver. Que ce soit Wasabi ou... Je me rends compte que maintenant les gens vont croire qu'on habite à Nantes. Ouais, bah tant mieux. Pourquoi je vais au centre, merde? Comme gamers disent, la guerre c'est dans le jeu, c'est pas ici. C'est pas dans la... Ouais, mais je fais n'importe quoi du coup. Je vais jamais au centre sur cette map. Non, faut pas y aller. J'hésite à y aller du coup pour tester. Oh, on a deux tirs de moins là. Okay. Moi j'ai un KV2, donc même si je perce pas, je fais mal. C'est bon, j'ai compris, je fais 300 dégâts, gna gna. Tu me le dis à chaque partie que tu prends. C'est comme chaque fois qu'on croise le 100. Ah oui, c'est celui dont les viewers nous ont parlé, patati oui. Patata. Et quand je prends mon IS-3, maintenant j'ai le meilleur canon. Hmm. What? Ouais, mais sur les tirs vraiment élevés, je fais pas 300 de dégâts, j'en fais que 186. C'est mauvais ça. Coucou! Ah! Je me sens en sécurité ici. Ok, ok. Bon, je crois que je percerai jamais. T'as vu que j'étais le premier à mourir, hein. Aujourd'hui c'est vraiment pas le jour des games. On enchaîne les wins, ça d'accord, mais... Tu peux tirer un petit obus là, sur le WZ machin là? Oh, tu m'as fait peur, arrête. Je chenille track, c'est super, mais sinon, niveau utilité, je vais essayer les explosifs. Visiblement, t'as pas un bon angle, on est en train de te dire.
Moi, tout ce que je peux faire, c'est te ventiler tout de suite, hein. Je sers plus à rien. J'ai fait 0 dégâts avec un objet explosif. Je sais pas trop comment fonctionnent ces petites merdes, mais. Mais. Oui, j'ai fait 100 dégâts avec un objet explo. Je me cache jusqu'à la fin de la partie. Ça fait pas mal de bruit parasite. Même énormément. Ah oui, dans le micro. Je suis pas un ventilé. Tu attendras qu'on ait un micro à pied. T'as comment on pourrait faire? On pourrait en avoir un pour nous deux ou on sera obligé d'en avoir deux? Pour chacun? Oh. Si on va se cogner, on va voir par exemple. Du coup, depuis que t'as tissé les montagnes, je suis n'importe quoi. J'ai l'impression. C'est tout fermé. Ça, c'est un passif. Oh là là, il y en avait un de flanc. Non! Ah, j'allais m'avancer! Fils de peintre! La première fois, on va peut-être la perdre. Bon, on commence une partie ou pas? Ouais. Bon, je vais essayer de pas faire n'importe quoi parce que je fais vraiment n'importe quoi ce soir. Est-ce que c'est difficile? Faire n'importe quoi? De pas faire n'importe quoi. T'as vu, j'ai une marque d'excellence sur mon BDR. Moi aussi j'en ai sur mon café. Ah bon? C'est le seul char sur lequel j'ai la première. Ah ouais, j'en ai qu'une aussi. Avoir les trois marques, c'est hard. Oh bah avoir la deuxième. Mais ça montre quand même que là t'as été un bon joueur. C'est quoi la deuxième? C'est 90%? Je sais plus. Même 90% ça me paraît super chaud. Faut regarder. Faudrait jouer à 100%. Enfin, moi par exemple, quand je joue à Heroes of the Storm en partie classée, je suis hyper concentré et ça me tend. Si je me mets à jouer les Vikings, c'est fini. Je fais deux parties de Vikings et je dois arrêter de jouer parce que je sais pas. Tu fais n'importe quoi avec les Vikings. Moi? Non, je te laisse une question. Point d'interrogation. Non, non, non. Je suis pas n'importe quoi, mais... Ah, les Vikings te tendent. Ça m'épuise, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Tu sais, quand tu concentres énormément sur quelque chose, bah, c'est épuisant. Trois persos agir en même temps. En général, quand je les joue, je vois pas grand-chose de la partie. Ce que je disais pour le KV1, j'imagine que pour être dans les 90-95, il faut être hyper concentré, quoi. Et je crois que ça prend en compte les 100 dernières games, hein. Mm-hmm. Donc c'est assez énorme. C'est constant, ouais. Je me dis que ça va être vraiment très fatigant. J'espère que je suis pas encore scout. En fait, je suis un peu seul, je suis un peu lotière. Est-ce qu'on a la vision sur eux? Oh putain, il fait quoi? Un mec qui m'a foncé dessus. J'aime bien avoir ta place, mon grand là. Ouais, les gamers sont en train de nous dire que sinon il suffit que sur la semaine en fait les gens fassent de la merde. Ouais, c'est pas sur les 100 dernières games en fait, je crois que c'est sur la dernière semaine en fait de jeu, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai que si les gens font de la merde avec le char, t'as plus de chances de l'avoir aussi. J'ai un KV2 qui veut me tirer dessus. Il est passé où mon obus? Il est passé dans l'espace? Ouais. Il s'est TP. J'ai l'impression qu'il va plus bas. Alors avec les Russes, j'ai le problème que ça aille plus haut. Avec les Russes, ça va jamais là où tu vises, c'est ça le truc. Apparemment, j'ai dû le toucher parce que j'ai une aide aux alliés. Et oh non! Cassons-nous, c'est fini.
quelqu'un mourir. Toi aussi. Ouais, merde. Les KV2 qui est sorti. Hop, hop, hop. J'en ai marre de ce char. Je commence à me demander si les TD squishy sont pas pour moi, sont pas faits pour moi. C'est... Faut voir ça par rapport à un FPS comme un snipe, hein. Faut se planquer. Ouais, mais oh. Sur certaines maps j'y arrive et d'autres j'y arrive vraiment pas, quoi. Ah, Nana nous observe. Non, pas du tout. Elle observe à peu près son ventre. Ouais, c'est intéressant aussi. T5, bah... Bah, go, pelle. Bah, j'ai besoin du suivant, surtout. Je le Nashorn. Il faut bien que je passe par le précédent. Mais je croyais que tu pouvais le débloquer, le char, maintenant. Non, il me manque un peu. Puis de toute façon, j'attends pour l'acheter, d'avoir un event. Non, peut-être pas un event. Ah. Bon, enfin, c'est un event avec 30% de réduction. Ce serait bien, parce que je suis vraiment en galère de sous. Et j'entends aussi un event. Faites des dons. Ça ne changera rien. On peut pas faire des dons dans ce jeu. Ah. Arrête. Et oui, j'attends aussi un event pour acheter de l'équipement pour mes chars. Bah on a essayé le jeu de foot, hein. C'est vrai qu'on a vu que ça faisait des PO, mais le jeu il est chiant aussi. C'était pas marrant en fait, c'était vu qu'on a, comment ça s'appelle déjà, le jeu là. Rocket League. On a Rocket League, ah, et Rocket League c'est juste la même chose, en à peu près 5-6 fois plus fun, bah ça donnait pas trop envie en fait. T'avais plus envie de jouer, même si c'est vrai que la récompense... C'était pas mal, on l'a bien vu, on a fait une win, on a eu 24 goals, on était ok. Mais quand tu fais une loose, t'as que dalle aussi. Oui. Bon, mon grand, tu veux pas reculer plutôt qu'appuyer sur help là, hein? Oui. Mais non! J'ai tiré dans le sol! Horrible, j'ai dû me gratter plutôt que viser cet énergumène. Et d'ailleurs, pour info, on a déjà fait un stream sur Rocket League. Ouais, je vais me faire de la pub. Tir random de l'infini de je touche pas du tout. Ah, ça me gratte dans le dos. Ah, j'ai mouru de gratte dans le dos. Il me regarde moi. Ou toi. Il est chaud par cette facile. Je vois ça. Ok, mais toi t'as un cavien aussi. Ouais, tout bien, t'as une technique hein, pour farmer des gold, c'est l'émission, hein, encore une fois. Hein. Si tu te concentres sur l'émission, tu feras de la thune. Hein. Merde, y'a un mec qui me tire dessus qui va me crever là, je pense pas que ce soit lui. Je sais pas si c'est derrière ou pas, je peux pas mourir. En face, il y a un mec en face. Il y a un TD qui nous attend en face. Je vais pas bouger. Faut aller cap alors.
Ouais, je suis avec elle, t'as raison. Ouais, c'est vrai que j'ai foncé aussi, en fait on serait resté à KP et on aurait pu gagner. Là maintenant ça va être un peu plus tendu. Je vais me trouver un coin où me cacher, je vais les attendre sagement. C'était la seule lourde. Vas-y, dis que je suis lourde! Et il me regarde genre. Ah non, mais c'est bon, je peux donner mon sang. Tu sais qu'il y avait un minimum de points pour donner son sang? Oui, je sais. Ah bah oui! C'est bon, je peux donner mon sang. Ouais, ils vont te forcer dessus, hein. T'auras pas le temps de caper, faut qu'ils te positionnent bien pour les achever. Je sais pas trop d'où ils vont venir en fait. Faut pas le chercher, faut vraiment qu'ils évitent de te faire encercler donc. Tant qu'ils sont un par un, tu gagnes. Et c'est déjà pareil. Ça va être compliqué de me positionner pour deux endroits à la fois. Faut que je trouve un truc pour cacher mon cul. Ça peut être possible là. Ah, c'est pas sûr qu'on ait en plus l'année derrière. C'est la Ferrari en plus. Oh, c'était pas possible là. Dommage. Ah, on a fait une grosse erreur là. Non, non, on est tous sur le point de cap, on s'est tous barrés pour se faire aligner. On s'est tous restés sur le point de cap, on les attendait. Je fais des choses bizarres. Il y a un truc sur mon bureau, je sais pas ce que c'est. Quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je réfléchis à un gâteau au chocolat que j'aurais pu manger en fait. C'est tout sec, tout dur. Oh, j'ai pas envie de prendre ce char. Finalement, on prend autre chose. On prend du T6. On va prendre un T6. Moi j'en ai allé me coucher en fait, je commence à être fatigué. Bah, tu veux faire quoi du coup? Bah du coup, vu qu'on l'a pas annoncé, au moins une dernière game. Et tu disais qu'on allait gagner largement, et puis en fait c'était pas vrai. Voilà, t'as menti. Oui non, ça fait un peu rouler dessus à la fin. On a fait n'importe quoi aussi, donc... Ceci explique cela. Arrête. C'est pas un caca la mienne. Non. Je pense que... J'espère pas du comment tu l'as touché. Non mais... J'étais là genre pouk 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 qu'il disait. Hein, de te moquer de moi. Et il a dit qu'il fallait pas se battre. Et fait des bruits parasites dans mon micro. Comment on fera en été quand il fera chaud, hein? On va mourir sur place et ça fera pas de bruit de parasites dans le micro. Bah là pour le moment, vu le temps, on est en hiver, t'as pas de soucis. Et l'hiver va nous mener après un autre hiver. Voilà. Les gros lourds vont à droite. Ah, quoi qu'il y ait un IS-3 et un T-29. Allez, je vous suis. J'ai foi en vous. Mais surtout, toi, t'es pas vraiment un lourd vu ton tiers. Mais t'es... Arrête d'être méchant avec lui. Mais je sais pas quoi faire d'autre là, je suis encore une fois en mode. Je sais. C'est pas une raison pour emmerder les autres. Pourquoi tu as plus de que moi? Je suis sur la route. Ah bon, arrête de te frotter à moi. Je sais que t'aimes bien, mais tu me ralentis. La bigne est finie. Je me déplace vraiment plus vite que toi. Non, mais t'es sur la route là, comme tu as. Tu
peux éviter de me pousser dans la falaise, s'il te plaît? D'accord. Arrête. J'ai envie d'arriver vite. Toi. Il commence à me saouler là. Ah, Gamers me dit qu'il y a des enfants, faut faire attention à ce qu'on dit. Ah merde, non, pas désolé, c'était pas vous. Il me saoule, putain. Je veux juste jouer. Il va y avoir un meurtre à la fin du stream. Je veux jouer, je veux m'amuser. J'ai le canon trop haut, je peux rien faire. Je vais aller sur la route. Tel un fou. Moi aussi j'ai le canon qui part en l'air. Tiens. Pardon. Oh, arrête d'appuyer sur mage et de faire de la merde. Ok, les gros chars avancent. C'est cool, je suis spectateur là, les choses se passent bien. Je vois des chars qui explosent de partout. Littéralement, je vois... Aïe. Par contre, pour ceux qui sont passés sur le clean, ils sont en train de souffrir. J'ai reçu un obus, ça m'a pas fait plaisir. Il a l'air trop occupé pour m'en envoyer un deuxième. Moi je propose de tenter de cap, sinon on n'arrivera pas. Tu me laisses passer? Comment ça se passe? Ah, visiblement, je t'ai volé un kill. Hein? Ça s'appelle vol de kill. Non, j'ai vraiment pas visé. Ah, mais c'est moi, on dit pas, il a dit monsieur. Oui, je me doute bien, mais il m'a rien volé donc. Si la victime dit que je n'ai rien fait, donc il n'y a pas de victime. Donc je n'ai rien fait. Tu peux retirer ce couteau, s'il te plaît, maintenant. J'aime pas trop la menace. Oui, je roule vite. Il y a une petite promenade. Rien de vaut une petite promenade en montagne là. On est bien. Et pourquoi j'aurais voulu le kill d'un autre mec? J'ai vu un char qui est passé, je l'ai aligné. Je l'ai ah, un d'accord, pas de moi, d'accord. Ok. Non. Puis bon, être là au tir, c'est suffisamment chiant. Alors bon. Il y a la MX qui nous fonce dessus, hein. Il y a S3 qui nous sert à rien. Faut aligner la MX. Ouais, j'ai tiré à peu près dans le plafond. Ouais, lui il a à peu près tiré dans le sol. Il se protège pas avec le dénivelé. Mais c'est foutu, je pense qu'il est parti se planquer pour éviter de perdre des points de structure. On aura réussi à faire une win hein, en étant l'autre tiers. Moi c'est toujours mon char, j'ai déjà fait la win ici. Malheureusement, je n'ai qu'un T6. J'aimerais bien voir le Nashorn en deuxième T6. Ouah, je suis dernière. Ah, mais t'as rien fait. Bah non, j'ai rien fait. Il y a quelqu'un qui s'amuse à me pousser et tout, qui essaie de me faire tomber dans la falaise. C'est pas de ma faute si t'as tiré à côté. C'est vrai. Encore ou quoi? Non, bon, le stream aura pas été forcément bien long, mais hein, ça aura fait 1h20, ça va. À moins que tu aies le stream sans moi. Non, moi j'arrête. J'étais fatigué au début du stream, maintenant c'est moi qui suis fatigué à la fin du stream. Bon bah du coup, merci à ceux qui nous ont suivis. Mm-hmm. Merci Gamers en tout cas pour ta compagnie sur cette soirée, puis peut-être une prochaine fois vu que tu nous as follow.
On n'attend pas 20 secondes qu'ils répondent. Non, je vais pas attendre. De toute manière, on fait des streams, comme je te disais tout à l'heure, très régulièrement, sur pas mal d'autres jeux aussi que World of Tanks. Donc on aura peut-être le plaisir de se recroiser à nous. Donc moi, je vous dis bonne nuit à tous. C'est vrai qu'on commence à être un petit peu fatigué ce soir. La journée a été un peu longue. Merci de nous avoir suivis sur ce stream. Merci à ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Et puis à une prochaine fois. Tchou tchou.